Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire d'Heinrich Kemmler, les vampires en empire mortel. Alors, déjà, par rapport à l'épisode précédent, vous pouvez remarquer un truc. Il y a beaucoup de tours qui sont passés. Mais rassurez-vous, il ne s'est rien passé de spécial. Je suis toujours ici, en train de me défendre corps et âme contre Momo. Mais là, maintenant, on commence à avoir un petit espoir. Parce que, comme vous voyez, mon économie a grandement évolué. Parce que quand t'as ce genre de bâtiment à la fin qui rapporte 99% parce que j'ai mis beaucoup de héros dedans, que Marienburg n'attend qu'une chose, c'est elle aussi d'évoluer. Tout ce genre de petits détails qui fait que bientôt notre empire sera puissant, on a tout fait pour plaire à lui, qu'on attend la vague 2 du chaos qui n'a toujours pas pop, mais tout va bien. Et cette armée, quand elle sera terminée, eh ben on va attaquer les nains du coup, et on va attaquer Athel-Loren par la suite, et enfin on se dirigera sur Ikki par ici. Et par ici. Et ça devrait le faire. Pendant qu'on se défendra contre Momo. Mais je vous dis, niveau revenu, on commence à être sur quelque chose de... Alors du coup, on va attaquer ici l'anguille. Parce qu'on s'est fait reprendre par Momo. On a décidé de pas prendre son investir dedans. Donc j'ai pas de grosses armées. Mais je sais me défendre. Ouais, Orion est mort, ouais. Donc on va lui dire, gère tes unités tout seul, comme un grand. Et on va y aller. Par contre, oui, non, je peux pas gérer ces bannières, ça c'est dommage. Donc Momo, on l'a repoussé je sais pas combien de fois. Là, en ce moment, elle est un peu emmerdée. Malekith, à tout moment, il va être très emmerdé par le chaos. On hésitait à aller sur Ultuan, mais Ultuan, il n'y a aucune ville qui nous intéresse sur Ultuan, donc il faut qu'on reste en mode défense, on n'a pas le choix. Par contre, ouais. Parce qu'en plus, si on évoluait sur Ultuan, il y a de grandes chances qu'après Morati, ça soit quelqu'un d'autre à qui on soit en guerre, sachant qu'on est en guerre contre Malekith aussi, hein, évidemment. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait essayer de trouver un point de vision avec, par exemple, Exoat et de commercer, finalement, avec eux. Pourquoi pas. On pourrait essayer. Ça va pas forcément plaire aux vampires. Et encore, peut-être qu'ils s'en foutent, finalement. Les batailles restent plus ou moins les mêmes. Still my beating heart. Mortis engine. Yes, awake, minions. C'est vrai que sur ce coup-là, j'avais oublié à quel point, quand tu passes après en mode défense par rapport à Momo qui, elle, détruit les sous-factions que sont les Hautelfes. Bon bah... Donc c'est le plaisir. Après, en soi, si c'était pas elle, est-ce que ça serait pas les Hautelfes? Nous obligerait à... Tu vois. Necromancer. Peut-être qu'on préfère finalement affronter Momo à Tyrion, hein, parce que Tyrion puissant, c'est beaucoup de phénix arcanique. Hein. Momo puissante, c'est un peu de tout, c'est plus varié comme plaisir. Atrophy and decay. I run. At once. Pas du tout s'il avance. Heinrich Kemmler. Quiet, Skullstaff. I know what I do. Voilà, toujours on essaye de sniper. En plus là c'est trois gardes noirs. Voilà. À qui on a fait très très mal, c'est très bien. Their time has come. Normalement, il devrait venir maintenant. Alors, si les mages de feu veulent venir en contact, bah, écoutez, moi, je les invite. Non. Voilà. Ah.
Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On fait un gros truc qui permet de régène. Voilà. Alors, il y a pas mal de cavaliers. Attention à notre petit duc quand même. J'espère qu'il va pas faire de bêtises. On sait qu'il y a des hôtels. Ça fait quand même mal. Bon là, normalement, on devrait tenir du feu de Dieu. Il a beau avoir des gros monstres. Voilà, regardez le petit duc qui se balade et tout. C'est bien, c'est qu'on est éthéré, donc on s'en bat un peu les couilles de ces tirs. Stop pas là. Get out of here! Je sais pas si on peut les avoir. Ah, si j'arrive à installer mon aura glaçante, oui, par contre. Ils sont encore debout, on les chope. Ouais, avec mon unité de renom qui gèle les unités autour d'elle. Voilà. Très facile. Je crois que le duc n'a rien pris. C'est pour ça que j'étais assez confiant pour le laisser. Que le duc, maintenant, même en IA, il tabasse. Hein. Le mec, il vient en contact, il fait comprendre à tout le monde qui c'est le patron. Merci, Glosby, merci d'être passé du coup des bisous. Et bon courage pour le boulot. Il y a, en vrai, Abraello, il y a Orion qui est mort, il y a le Ray, enfin, Karl qui est mort, mais même pas par moi. Hein. J'ai Aldorf, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. C'est Marie. Non, c'est pas Marie Enberg, c'est... comment il s'appelle? C'est Boris, c'est Midenland qui a tué... Et du coup, on occupe de nouveau, hein, ça... C'est notre passe-temps. C'est notre petit passe-temps. Allez, un petit 1002 ici. Normalement, j'ai déjà... Hein, j'ai déjà fait le cadeau. Hein. Ouais. Quand il y a autant d'écart, c'est que j'ai déjà fait le cadeau. Voilà. Et comme je dis, dans un tour, avec cette armée, on fonce sur les nains. On chope ça, là. Hein. Avec deux machines mortis, je pense qu'on a une armée adéquate pour tuer du nain. De nouveau la croissance. Bon, les revenus vont monter encore une fois. Et alors là, ils vont exploser. Le duc. J'avoue que j'hésite quand même à réinstaller le... Même en cours. Le petit mode pour respect les personnages. J'avoue que j'hésite pas mal. Hein. Lui aussi, on lui fera son armée à un moment. Il a des gardes des cryptes qui sont quand même pas mal réduits en entretien. Don't
Alors, recruteur. Il est blessé, sans étonnement. Il faudrait que je regarde où et... Oh, le clan Scryer qui prend des coups apparemment. Hein. Donc ça va peut-être être le moment de le choper hein, aussi. Hein. Je pense que quand j'aurai tous les gros revenus, je devrais... Je devrais être capable de me défendre contre Momo et Malekith au niveau de la mer pendant que... Je pense que ça va le faire. Déjà là, normalement, voilà, les revenus viennent de monter encore une fois. Là, ce qu'on fait, c'est forcément booster ici. Alors, grosse prio ici pour les nécromanciens si jamais... Ouais, attendez. Ils veulent pas m'en donner, hein. Ça m'attriste pas mal, ça. Hein. On cherche toujours les gardiens du domaine. Peut-être finir par un moment les prendre tous et les virer tous. Comme ça, au moins, ça relance totalement les légers. On est à 5. Ok. Donc là, c'est dans 6 tours, on a le temps. Peut-être que je devrais faire un tour ici pour essayer de... Oh oui, pourquoi d'ailleurs c'est moins cher là? Pourquoi 13 002 ici? Qu'est-ce qui réduit le coût comme ça? Lui? Ah oui, ça doit être lui. Bon. Il n'y a pas d'armée, donc on y va. Hein. Alors, est-ce que je chope d'abord la grande ville? Que typiquement, je peux aller là-bas, voir pour choper la grande ville. Ouais, hein. Le mec le sait, hein, ce que je vais faire. Hein. Voilà, et en plus... Donc là, le mec, il est obligé de me laisser traverser. Je peux rien y faire. Il doit subir. What? On est à 51. My kin. I am at your stop. Et je comprends pourquoi, en fait, je lui dois plus rien. Parce qu'en fait, on s'annule la plupart des trucs. Il n'y a que lui qui me ramène au final du sel. Et moi, je lui dois rien, en fait. J'ai que des frais de douane. Je comprends pourquoi... J'aimerais bien lui exporter pas mal. Yes. Ouais, ça va monter encore et encore. Jusqu'à que le chaos débarque ou ça va encore plus vite monter. Mais ça, on a le temps. Ça se trouve, j'ai un seigneur gardien du domaine. Hein. Non, ils veulent plus m'en donner. Ils disent non, non, tu vas abuser de ça après. Du coup, ils veulent plus m'en donner. Donc, dans 3 tours, ça. What? Alors. Est-ce qu'on n'irait pas faire chier? Ces armées avancent tellement pas dans son truc, là. Ah non, je peux pas, hein. Je dois rester en défense, hélas. Je dois rester en défense. C'est comme ça. Pour l'instant, on attaque les nains. C'est notre priorité. On gratte petit à petit du territoire. On est très, très défensif. On fait gaffe à pas se faire envahir par des héros. Ce qui est bien, c'est qu'on en a beaucoup, par contre. Hein. Là, pour le coup, on a 10 000 héros sur la carte. J'ai désactivé le déplacement, le non-déplacement de personnages, mais... On en a beaucoup, hein.
Ils sont tous en train de booster les revenus. Comme c'est pas permis. D'ailleurs, je ferai un petit tour dessus pour voir s'ils ont tous le trait pour ça. Et là, c'est là qu'est l'os. Pourquoi, Max Panam? Est-ce que vous sentez cette enfin en provenance du nord? Enfin, t'es là. Les tourbillons du chaos sifflent vers le sud, souillant les terres. Et ah non, moi j'ai cru que t'étais mort, moi. Moi j'ai cru que t'étais déjà passé, en fait, et que je t'avais pas vu venir. Couillon, ben. Ah là 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 là. Then go. Là, normalement, voilà. Là, ça commence à mieux monter. Là, là, on peut peut-être bientôt discuter. Là, je le sens. Alors, on voulait checker rapidement. Voilà. Leur faut à eux, c'est ça. On demande pas plus. Your wish, master. Who shall we destroy? En fait, je vois qu'il y en a pas mal de trésoreries, de machin là. Il faudrait être sûr que c'est au bon endroit. Comment je fais pour ça? Est-ce que je les enlève toutes et je les mets spécialement sur ces héros-là? Who shall we destroy? Parce que lui, par exemple, il n'en a pas. Et pourtant, un petit 8%... Et les coffres par les cryptes et les coffres des vampires, on serait bien. Hein, ouais, c'est ce qu'on va faire. Écoutez, trésorier, voilà. Je vais tout enlever au niveau des nécromanciens pour être sûr que ce soit les bons. Attention, mes revenus peuvent baisser peut-être drastiquement, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, donnez-moi tous le... ça là, il faut que je les mette sur les bons. Ça a l'air d'être ok. Donc, vous, la bande là. Vous, il vous faut un trésorier. I will not betray you. This night. Voilà. Comes. Déjà là, au moins, on sait qu'ils sont tous concentrés au bon endroit. Ah, t'as qu'à prendre ça en plus. On va les mettre sur eux aussi. Tant qu'à faire. This night. Voilà. Et évidemment lui aussi, si on peut. Donc toi, ton but c'est de prendre... Il y a un truc normalement qui booste là. Les revenus par tous les bâtiments là, voilà. Donne ça. Je sais pas comment... J'espère que les chasseurs de Malpierre, honnêtement, je vais en choper plus parce que...
Voilà, j'ai tout mis au bon endroit. On va voir si ça augmente nos revenus. On essaye. On essaye. Prochain tour, boum, je peux la mettre niveau 3. Ça, c'est cool. Donc ça... Ce que je voulais faire, c'est potentiellement me déplacer là-bas. Peut-être casser ça, du coup, ou le mettre à fond, on verra bien. Attendez. Marienburg, du coup, tu dois mettre ce bâtiment-là encore. Tu vois, du coup ? Ouais. On veut mettre ça. On veut mettre ce bâtiment-là. Donc c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ça dégage. Ça dégage. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Parce que ça va être très important. Voilà. Lui, c'est bon. Il s'est déplacé. J'ai fait le cadeau ou pas? Je crois pas. J'ai presque envie de faire un gros cadeau pour booster d'un coup, là. Vas-y. Voilà, 93. Allez. Parce que j'ai un assez gros espoir que... Dommage. Donc on va essayer de le choper. On va lui mettre de la vie. Et on peut faire fin de tour. Donc là, il y a deux armées. On verra. Re-Jeff. Je sais pas pourquoi il a été si long de chaos, alors que en vrai mon territoire il est conséquent quand même, c'est pas de la merde. Bah profite Scott. Profite donc. Donc le chaos nous explose, c'est bon, on le comprend. Alors ça va peut-être mettre à mal les vampires, et c'est pour ça qu'il faudra être là si jamais. Il faudra être là en soutien. Très important. Ouais, ça a augmenté un petit peu nos revenus en vrai. Viens d'où lui? Viens d'où? Bon. You have crossed Drakkarth. À mon avis, t'aimes pas trop là, vu ce que t'as fait, hein? I am pleased thou attendst me. Ouais, ouais, t'aimes pas trop. Bah, écoute, je vais continuer à te taper dessus. Je confirme. This better be important. I will not betray you. Do you need fresh troops? Wither, fool! Darkness comes. Your wish, master. Eh, chais. Alors, faut pas que j'oublie, c'est celui qui est isolé, hein. Le petit groupe, là, là le petit culte ici de revenus, c'est pas les mêmes, hein. You waste my time. What is this foolishness? À mon avis, c'est pour me prendre le fort. À mon avis, c'est pour ça. My will alone. Move. On va voir pour réduire les revenus ici. Ah, réduire les revenus. Le coût des bâtiments. Voilà. Et donc là, on peut investir. Seul. Greetings. Thou stand absolutely not. Ok, donc ça va monter sans le cadeau, ça c'est bien.
Ouais, donc l'autre, il est venu par derrière. Le petit enfoiré. Mais nous, ce qu'on veut là, c'est attaquer le nain. Il y a sûrement une défense. Oh. Plutôt pas mal. Bring me flesh to craft. Plutôt pas mal du tout la défense, hein. What? For the wisdom of Valea. Make them suffer. J'espère que ça plaira. It will be a mass grave. Ah mais... Oui, non, non, ça c'est la garnison. Alors... Je vais la faire moi-même. Parce que là, pour le coup, il faudrait que je fasse zéro mort. Pour la prochaine... En vrai, je pourrais avoir confiance en mes hommes quand même. Parce que... J'ai du garder creep goldé. Alors certes, tout n'est pas boosté, mais j'ai une régène de malade. Et c'est vrai que les vampires sont pas mal contre les nains pour ça. Parce qu'il arrive à un moment où les dégâts sont pas assez puissants. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de spell. Dans l'idée, je n'ai pas de spell pour atteindre les nains correctement. J'ai pas de héros assez puissant pour ça. I make it so. Clairement pas. J'ai que ma régène. Remarque, j'ai ma pendule. Remarque, j'ai ma pendule. La pendule fait quand même de bons dégâts. Hein. Voilà, donc là l'idée d'apporter une régène à tous. Ah, attendez, attendez, attendez. Sinon on va jamais y arriver. Voilà, faut qu'on aille tous avec lui. Comme ça tout le monde se regroupe. Et là on apporte un petit heal. Il va tous nous aider. Petit dernier pour lui. Voilà. Et tout le monde est content.
Alors, pour la cité, du coup, il va falloir que je fasse des pendules. Énormément de pendules. Mais normalement, je pense qu'à la fin, je gagne. Et c'est pas le meilleur des seigneurs que j'ai. J'ai Erich Ratep. Sûrement un cousin lointain de Katep. On remarque qu'il y a le A et le H qui sont inversés. Le commandement ici va nous aider. Et je pense que oui, j'ai envie de tenter la bataille. J'ai clairement envie de la tenter. Carrosse, charrette, machine mortise, défense en mêlée. Je pense que oui, ça peut être le point intéressant ici là. Il n'y a pas autre chose, non. Il y a le pacte, immortel. Non, bah immortel. Parce que si je perds, au moins, j'ai pas tout perdu. Je peux refaire le bonhomme. Le petit pendule amélioré. Qui va coûter cher, mais si bien calé, je pense... Everything dies. Que ça devrait le faire. Donc là, le mec nous dit qu'on se fait exploser et pourtant, je pense qu'on gagne. Par contre, parce que je vais charger les murs pendant que ça va monter. Le seul problème, c'est que du coup, les tours vont faire très mal au départ. Mais après, on va espérer qu'avec la régène, ça tienne. Pas mal d'arquebusiers, quelques brise-fer. Ouais. Re Dr. Claude. Salut Rickans. Alors, c'est pas une mauvaise carte. Un, deux, trois, quatre. Ok. De toute façon, je pense qu'on va concentrer tout ici pour les hommes et tout ici pour les bêtes. Je pense qu'il nous faut quand même quelques... Ouais. Je pense que ça va être ça. Il y a des trucs, genre lui par exemple. Non, peut-être pas lui, je sais pas trop. Ok, je vois qu'il a concentré quand même ça. Ouais. Allez. Si on peut les stopper un petit peu. Escasser maintenant. Ah non, commencez pas avec la porte hein. Je vous préviens, j'alt F4 hein. Parce que c'est pas le moment de me faire des coups comme ça hein. Ok, attention au brise-fer toujours. Allez, on va se concentrer là-dessus. La porte, putain, la porte! Ne faites pas le bug de la porte! Ça va m'énerver, ça! Ça, je le sens! Ok, on bouge, on bouge, on bouge. Allez, on charge ça. Hasta
necromancer. La porte, s'il vous plaît, je voudrais taper la porte. Vous savez, la plus forte des noms. Your desire? M'énerve, il me fait tout bugger en fait. Il fout en l'air tout mon siège, cette porte de merde. Ok. Allez, on a tué des arquebusiers, c'est très bien. Allez, on se re... Ça, fallait pas me le montrer, ça, mon gars. Ça, fallait pas me le montrer. J'en ai marre, ça. Réglez-moi ça, là, au secours. Voilà, et là, bah, faut juste passer. Hein. Le petit temps, tranquille. On n'est pas pressé, ça va le faire. On a la régène. C'est notre puissance, il faut en profiter. Eux, ils sont très défensifs, nous aussi. On va attendre qu'ils se ramènent avec ça. On va essayer de faire une petite pendule. Voilà. Ensuite, on va attaquer ça et ça va très bien se passer. Les vampires, c'est trop fort contre nous. Est-ce qu'ils veulent la jouer sur le temps? On vous défonce petit à petit et on est toujours très blindé. Bah oui, bah nous, on régène en attendant aussi. Alors bien sûr, si ça s'éternise trop, la régène, elle est limitée. Mais pendant longtemps, au final, on prend pas grand chose et lui, par contre, prend très cher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, déjà, tu vas me défoncer ça en passant par là. Non. Tac. Tac. Et pas pour tous. Avec lui, on va voir. Ready to bring death. Hasta necromancer. Tire pas sur ce qui est en l'air, les brise-fers. Non. On va faire des petites charges dedans tout le temps. Serve me.
Mais au secours! Ça, par contre, faut éviter. Il doit y avoir une chauve-souris coincée là dans le tas et du coup, il veut pas. Voilà. Peu importe ce qui est blindé ou pas. Alors, ce qui est marrant, on va faire un petit test. Pour trouver encore plus la puissance des Varghest. Vous voyez le petit brise-fer là. Assez isolé, assez. On va essayer de l'attaquer avec nos 4 Varghest pour voir. Il va se manger. Là pour l'instant il a bien encaissé. Ok. On s'en va. On peut s'en dépêtrer, ça y a pas de souci. Ici de ce côté, bah on fait le taf petit à petit, on sait pas ce qu'ils font, les autres ils regardent depuis le balcon. De toute façon, on les aura sur le temps, donc je dois pas être pressé. Voilà, par contre, j'ai pris quand même pas mal de dégâts parce que j'ai pas assez spammé la sortie des Varghest. Vous voyez là, typiquement, quand on a deux qui bloquent, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien qui vous retient maintenant. Allez attaquer dans le dos et vous allez régénérer comme ça. I am master. Attendre de pouvoir reclaquer le heal et après je vais repartir avec. Ok. Ah merde, 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 non, non, fuyez pas. Non, non, non. Oh, je voulais faire un test. Oh, il y en a un, il a été ressuscité. Je voulais faire un petit test sur Brisefer, voir. Pour voir à quel point je le faisais fondre. Alors fondre est un grand mot quand même, hein, c'est du brise-fer. Mais voir s'il y avait 4 unités, si je pouvais littéralement tuer une unité de brise-fer. Bon là, ça servira à rien parce qu'ils sont en fuite au final. Bah ouais. C'est pas fou ça. Dommage. Maintenant, 107, 84, 96, 94, les Varghest ont fait le taf. Ouh, par contre, il y en a un et aussi là, il s'est défoulé. Hein. 161. Mais il n'y a pas besoin de prouver, on sait très bien comment ça tape. Je sais pas ce que ça fait à chaque proc, justement, la machine mortise de d'AOE. Ça fait pas un 1000 de dégâts répartis. Make them suffer. Everything dies. Voilà. Directement, du coup, on peut choper ça. Hop. Voilà. Et ici, ça nous permet d'investir. Parfait. On gagne 10 000. Alors, j'aurais voulu investir là-dedans, mais je vais pas pouvoir. Est-ce que ça plaît aux nains que je tape dessus ? Fellow beatless hearts, oui. Let us discuss the destruction I fool. Alors, on va peut-être réussir à faire quelque chose à force. Vous savez, oui, si je lui fais quelques cadeaux, ça passe. Hein.
Et après, on attaquera le clan Scryer. Donc, on va détruire les nains, ça sera l'épisode. Et le prochain, ce qui est sûr, c'est que ça sera encore un peu plus loin, parce que, bah, allez, hein. Beaucoup de batailles, ça sera... Alors, il y a Atel Lorraine aussi, entre-temps. Hein. Yes. Dont on va s'occuper. On a un héros qui traîne ici. On a un héros qui arrive. Alors attention, ici on se rappelle. Lui doit aller là-dedans. On va voir ce que fait Rakars. Confédération A. Remarque, s'il pouvait confédérer Vlad, ça serait cool aussi, hein. Bon, là, par contre, il faut s'attendre à un truc, c'est que le chaos va sûrement taper très fort dans les vampires. Donc ça va l'affaiblir drastiquement. C'est comme ça. Moi je voudrais bien le garder en allié, pas tellement en... le confédérer. Après s'il faut, bon bah. On le fera. Faction détruite, déjà la harde. Ah ouais. Find me, Grave Owl. This will fail. No. My kin, I am pleased thou attendest me. Oh, il aime cette guerre. Il l'aime. Avec ses 56 colonies. Oui. Oui. Il aime la guerre. Bring me flesh to craft. You dare. Ouais, lui il se met à squatter le terrain du vampire, forcément il aime pas trop ça. Hein. Bon bah ici pour l'instant on va laisser comme ça. Bats and wolves gather. Et on va s'occuper de là-bas. They will serve. Le mur est déjà construit avec des gardes des cryptes, ça se rejette petit à petit, on est spécialisé dans les montagnes en plus. On se dépêche d'aller là-bas. On gagne 11 000, hein, on est plutôt pas mal. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer et je vais faire un cadeau pour qu'il oublie ce petit passage que j'ai fait chez lui. Parce que là, il va me juger en mode. Vous voyez, là, normalement. Intrusion moins 10, là. Il m'a dit. Toi, fais gaffe quand même. Hein. Mais l'intrusion, il va vite l'oublier. Do you need fresh troops? Find me, chance. I will not betray you. Necropolis awaits. Est-ce que c'est le moment de tout, absolument tout, reset au niveau des points pour les héros pour essayer d'avoir les bons? Merci du coup, Suppository. Merci à toi pour ton follow, bienvenue. Ouais, je pense, hein. Je pense. Ça coûte cher tous ces resets. Ouais. C'est vrai. Très cher. My blood, mais. Est-ce qu'il y a un mais? Thank you.
Yes, yes, yes. Qu'est-ce qui manque comme bâtiment, là? Celui-là? Et j'ai tous les bâtiments militaires? Ouais. Donc on va faire ça. On va renforcer d'ailleurs ce mur. Ready. Durée de recrutement, ouais. Coût de construction. Moins 50% pour les, tous les bâtiments de chaîne du cercle de rassemblement. Qu'est-ce que c'est que le cercle de rassemblement? Est-ce que c'est ça là? Oui, c'est ça. Mais on s'en bat les couilles. What do you want? Et oui, oui, oui. C'est pas s'il nous intéresse en vrai. Oh, par contre, ça, c'est quoi, ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Si on prend quelques gardes des cryptes, ça pourrait être pas mal en soi. Ça pourrait peut-être nous aider. Ok, donc là, gros revenu à venir. C'est pas tout de suite. What? Donc cette armée maintenant, faut-elle qu'elle aille? Parce qu'elle est là pour réduire le coût. Strike out. Peut-être là-dedans. Ready. Celle-ci toujours en mode défense au cas où. March. J'ai fait un petit cadeau, j'ai pas fait de reset. J'ai vu qu'il y avait une place pour un... Pas des fous. Hein. Je veux des gardiens du domaine. Un peu le jeu, quel est l'objectif pour gagner avec les vampires? Bah ça dépend ton seigneur, enfin là globalement t'as une faction à détruire, un peu ton, ta faction ennemie. Pour Enrich c'est tout ce qui est autour des bretoniens. Ensuite en Empire Mortel c'est un, y a un objectif classique de posséder des grandes villes, voilà. C'est des objectifs un peu relous, un peu vieux. Mais bon, on doit faire avec, c'est tout. Hein. On doit faire avec. Là, je dois retourner par là et avec lui, je vais essayer d'achever ça, mais... Find me, Channel Pits. It will be a mass grave. On verra si ça passe. Donc là, je gagne 11 000 encore. C'est vrai que dans l'idée, je peux terminer ça si je veux. Ça, c'est vrai. Mettre ça qui me donne un taux de recherche de 12%, héros machin, rang du recrutement toutes les provinces pour les nécromanciens plus 3. Est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr non plus. Est-ce qu'on irait pas ici justement pour réduire le coût ici une bonne fois pour toutes aussi pour monter les bâtiments? Peut-être que oui. Ça pourrait être pas mal, donc prochain tour, on termine le nain. Dance macabre. We are in agreement. Là, je me cache, comme ça, elle décide d'attaquer encore une fois cette ville.
Ouais, je pense qu'on va faire ça. This night, it is night. Comme ça, mon fort s'est réduit. Voilà, 1200. Toujours, on essaye de surfer sur la vague de l'entente. Sylvania greets thee. I disobey. On essaye de négocier ça avec un paiement. On y met tout notre argent. Hein. On n'est plus à ça près. Bon bah tant pis, on va devoir faire un petit cadeau. Non, il aime bien que je tape sur certains, donc ça c'est cool. Ok, il est relà. On a un assassin juste à côté. C'est ton moment, mais tu as raté. Bah ce sera ton moment à toi du coup peut-être. Il est si nul que ça lui. Ah ouais, ouais, ouais. En effet. Et du coup, ouais, on va réduire. Allez, on achète tous les petits trucs. Ou alors je pousse ça. Les gros investissements là bientôt ça va être là-bas hein, dans deux tours, donc je peux peut-être économiser parce que ça se trouve je vais pouvoir en acheter deux des bâtiments, enfin ouais quoi que bon on va pas s'embêter pour ça. Allez, dans 10 tours. Ah non, j'ai déjà assez pour ça en vrai. Hein. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Now. My will alone. Non. Soit j'attends ça, soit je... Ouais, je vais monter ça, la corruption. Là, tu peux être sûr que ça va monter encore plus haut. Même le massif, hein. Le massif, il attend que ça, là, que je monte son truc. Hein. Là, il me dit, c'est quand que tu mets les bâtiments aussi, là, les trois, là, direct. Pam. Au Marienberg focus, hein. Parce que là, dans deux tours... Ah ouais, ça va péter les revenus. Ça va littéralement péter les revenus. Let us make doom. Est-ce qu'il va décider de foncer directement sur l'anguille? Un héros à zigouiller. Maintenant qu'on s'est occupé du nain, enfin, là, au tour prochain. Oui, je me suis déplacé, hein. On est d'accord, hein. Pas fait de bêtises, hein. Maintenant qu'on s'est occupé de lui. On va s'occuper d'Athel Lorraine. Donc, à base de deux armées, je pense que je vais devoir en créer une autre. Et après Athel Lorraine, en dernier. Enfin, ça sera le clan Scryer. Parce que niveau revenu, normalement, j'aurais pété tous les scores là. Tous les scores. Sachant que même du rouge, je crois que je peux le tenir. Parce que j'ai plus 5 d'ordre public, moins 60% de pénalité. Ou alors, j'ai pas encore débloqué ça, je sais pas. Attendez. Voilà. Grâce à ça, moins 60, plus la corruption. Plus l'ordre public, plus 5. Plus le bâtiment d'ordre public, plus. Ça va vraiment me permettre de. Deliver it unto me. No, you dare. Onwards. I hunt. This is beneath me. Ok. Alors, bah du coup, au revoir. Darkness comes. Obliterate. La même chose, faut la faire.
là, ça plaît au vampire, c'est parfait. En plus, s'il commence à aimer que je tape sur un... sur Momo, sur Malekith, moi ça me va. Vampire. Ça, c'est une vraie armée de late game de vampires. I serve my sire. Ok. Chaque fois que j'entends le Darkness Come, ça me fait penser à la blague sur les jeux Blizzard, Darkness Kallen, Taiwan, on se fout. Ça me dit rien du tout. C'est quoi, c'est un genre de mème par rapport aux jeux Blizzard ? Death to the living. Vampire. Reparatus, hide. Allez-y, mes petits varguestes. Vous allez voir, il y a des arbalétriers étriers tout le long. Vous allez pouvoir vous amuser. Ah voilà, je peux vous dire, ils ont hâte là. Hein. Il s'agit de charger en plus des arbalétriers étriers. Ça croque sous la dent pour eux, ça. Déjà pété. On y va. Ah, ils les ont explosés. Hein. Boucherie. Allez, je vais leur demander de décoller. Là, les gardes vont pouvoir faire le taf. Eh bien, ils ont toujours pas abandonné, hein. Et là, après, ils se cassent d'un coup. Et ils switch. Alors, s'ils pensaient m'esquiver en faisant ça... ça va pas bien marcher, hein. We are the
Voilà. Allez, on s'occupe de ça, là. Si je pouvais éviter de perdre ma petite... Ouais, dommage. Pas grave, ça se ressuscite. J'ai perdu aussi une machine. Ou quoi? N'importe quoi. Ils sont plus de résistance là-dedans que dans l'autre, quoi. C'est bon les munitions, vous en avez plus? Voilà. Leech them of life. Allez. On a plus de magie par contre. Hein. Ça se recoute en 2 secondes de toute façon. Donc c'est pas très grave. Et encore, ça se trouve, je vais réussir à ressusciter mes trucs. Parce que c'est notre faculté aussi d'être capable de faire ça. Valvargus, c'est bon, Valvargus il est en vie. C'est la machine Mortis qui a décédé. Allez. C'est la petite machine Mortis. Ce qui est pas grave. Et donc du coup, plus de nains. Kemri, je t'ai rencontré. Vous croyez qu'il va me juger si je fais ça, l'autre? Yes. Non, il s'en bat les couilles. Je gagne 1500 en plus, enfin un commerce. Spread the rot. This better be important. Enfin un commerce. Au secours. Oh là 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 là. Mon premier commerce. 1500, si ça c'est pas beau. Si ça c'est pas magnifique. Même, je dirais. Alors. Parce que Marienburg veut son évolution. Je pense qu'il faut foncer tout de suite sur Gisoreux et garder l'argent. Pour que Marienburg, au prochain tour, avec autant de fric, bam, bam, bam. On est bien d'accord, hein. C'est séduisant. Oh. Je me suis dit, allez, vas-y. Et en plus, il va y en avoir un nouveau maître du domaine. Pas du tout. Par contre, faut peut-être profiter un peu pour cycler. Ouais, allez. Et bah du coup, YouTube, on va s'arrêter là. C'était un épisode un peu... un entre-temps, parce que...
La prochaine fois, normalement, que vous me voyez, c'est soit je fonce sur Atelorène, soit sur Scryer, et que peut-être enfin je suis allié avec ce monsieur. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.